Excellences, Mesdames, Messieurs, cette rencontre traditionnelle du début de l'année, deux semaines après la célébration de la naissance du Verbe incarné, est pour moi une grande joie. Comme nous l'avons proclamé dans la liturgie, dans le mystère de la Nativité, celui qui par nature est invisible se rend visible à nos yeux, engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps, faisant renaître en lui la création déchue. Il restaure toutes choses. À Noël, nous avons donc contemplé le mystère de Dieu et celui de la création. Par l'annonce des anges aux bergers, nous est parvenue la bonne nouvelle du salut de l'homme et du renouvellement de tout l'univers. C'est pourquoi, dans le message pour la célébration de la Journée mondiale de la paix de cette année, j'ai invité toutes les personnes de bonne volonté à qui les anges ont promis justement la paix, à protéger la création. Et c'est dans le même esprit que je suis heureux de saluer chacun d'entre vous, en particulier ceux qui sont présents pour la première fois à cette cérémonie. Je vous remercie vivement pour le vœu dont s'est fait l'interprète votre doyen, Monsieur l'ambassadeur Alejandro Valladares Lanza, et vous redis combien j'ai apprécié la mission que vous accomplissez près le Saint-Siège. Par votre entremise, je désire faire parvenir de cordiales salutations et des souhaits de paix et de bonheur aux autorités et à tous les habitants des pays que vous représentez dignement. Ma pensée s'étend aussi à toutes les autres nations de la terre. Le successeur de Pierre tient sa porte ouverte à tous et désire entretenir avec tous des relations qui contribuent au progrès de la famille humaine. Depuis quelques semaines, de pleines relations diplomatiques ont été établies entre le Saint-Siège et la Fédération de Russie. C'est là un motif de profonde satisfaction. De même a été très significative la visite que m'a faite récemment le président de la République socialiste du Vietnam, paix chère à mon cœur, où l'Église célèbre sa présence multiséculaire par une année jubilaire. Dans cet esprit d'ouverture, au cours de l'année 2009, j'ai reçu de nombreuses personnalités politiques venant de divers pays. J'ai aussi visité certains d'entre eux. Je me propose à l'avenir, dans la mesure du possible, de continuer à le faire. L'Église est ouverte à tous, parce qu'en Dieu, elle existe pour les autres. Elle participe donc intensément au sort de l'humanité, qui en cette année à peine commencée apparaît encore marquée par la crise dramatique qui a frappé l'économie mondiale, provoquant une instabilité sociale grave et diffuse. Dans l'encyclique Caritas in Veritate, j'ai invité à rechercher les racines profondes de cette situation. En dernière analyse, elle réside dans une mentalité courante égoïste et matérialiste, oublieuse des limites inhérentes à toute créature. Aujourd'hui, je voudrais souligner que cette même mentalité menace également la création. Chacun de nous pourrait citer probablement un exemple des dommages qu'elle provoque à l'environnement partout dans le monde. J'en cite un, parmi tant d'autres, dans l'histoire récente de l'Europe. Il y a 20 ans, quand tomba le mur de Berlin et quand s'écroulèrent les régimes matérialistes et athées qui avaient dominé pendant plusieurs décennies une partie de ce continent, n'a-t-on pas pu prendre la mesure des profondes blessures qu'un système économique privé de références fondées sur la vérité de l'homme, avait infligé non seulement à la dignité et à la liberté des personnes et des peuples, mais aussi à la nature, avec la pollution du sol, des eaux et de l'air. La négation de Dieu défigure la liberté de la personne humaine, mais dévaste aussi la création. Il s'ensuit que la sauvegarde de la création ne répond pas principalement à une exigence esthétique, mais bien davantage à une exigence morale, car la nature exprime un dessein d'amour et de vérité qui nous précède et qui vient de Dieu. C'est pourquoi je partage la préoccupation majeure
que causent les résistances d'ordre économique et politique à la lutte contre la dégradation de l'environnement. Il s'agit de difficultés qui ont pu